Aujourd'hui, qu'il ne s'agit pas seulement d'élire un président de la République en 2024. Il s'agit de faire un choix. Et Doudouka a fait son choix. La Casamance a fait son choix. Son choix, c'est celui d'accompagner le président Macky Sall en 2024. Parce que il faut, je disais, il faudra sauver la République. La République ne peut pas être laissée avec des anarchistes. D'ailleurs, quel est son bilan d'ailleurs? Gaï, quel est son bilan ici? Ouais, Gaï, quel est son bilan? Quel est son bilan? Où est-il? En amour? En amour? Nous dit Takawalou, Takawalou. Nous dit Takawalou. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas comme ça qu'on va bâtir le Sénégal de demain. C'est pas comme ça qu'on va bâtir le Sénégal, un Sénégal émergent. C'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner le président Macky Sall en 2024. Et nous avons voulu, avec l'ensemble des leaders de la région, Amitamba, Staibou Diédou, tous les leaders de la région, sommer la mobilisation. Et j'espère que nous allons voir prochainement les autres leaders Benobok Yakar du département et de la commune venir ici ou dans d'autres lieux où nous allons les accompagner, aller parler aux populations. Les autres leaders qui sont ici, Robert Sagna, Abdoulaye Baldé, Benoît Samou, les autres leaders qui sont ici présents. Le ministre Angélique Amika, comme vous voulez, Victorine Ndey, qui m'a Angélique Banga, Victorine Ndey qui m'a invité la semaine prochaine, le samedi, je donne rendez-vous samedi à Niagis. Les autres leaders également de Bignona qui sont tous là, Ben Samuel. Donc, je voudrais vous remercier de cette présence. La capacité de démonstration que le peuple sénégalais, en particulier celui des banlieues et des capitales, est un peuple uni derrière le président Macky Sall. Parce que la question fondamentale qui nous secoue aujourd'hui, c'est que 2024, c'est une période pour la sauvegarde du destin national du Sénégal et des Sénégalais. Monsieur Doudouka, votre initiative personnelle doit être suivie par une autre initiative, celle de rassembler l'ensemble des cadres, des responsables, femmes et hommes, jeunes, étudiants,
et toutes les populations de Casamance naturelles de se réunir pour unanimement soutenir la candidature du président Macky Sall. Avec cette majorité, nous sommes convaincus que, en application des institutions de la République, le président Macky Sall, homme de paix et de droit, va prouver aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous sommes un peuple uni, un peuple libre, mais un peuple qui aime la paix et la sécurité. En le faisant, tout le développement qui est en cours va se poursuivre. Et la Casamance, qui est une des bases d'avenir, du présent et de l'avenir du Sénégal, verra à partir de maintenant, et en particulier en 2024, que le Sénégal de l'émergence est incarné par les vidéos, la vidéo et les idées du président Macky Sall. Et Monsieur Doudouka, vous êtes un modèle des initiatives personnelles et tous les autres responsables doivent prendre la même revanche, la même application de l'initiative personnelle pour prouver que nous sommes un, nous sommes unis, nous sommes pour la paix, nous sommes pour le destin national, mais nous sommes pour le développement du Sénégal. Félicitations, Monsieur Doudouka, je dirais au président Macky Sall, quand Casamance, tout le peuple est derrière vous, Monsieur le Président. Vous êtes un homme bâtisseur et vous êtes un homme de développement, mais surtout, vous êtes un homme de paix. Monsieur Doudouka, votre appel à l'ensemble des cadres et responsables de la Casamance est un appel qui doit être entendu. Wait now.